Yo tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série de l'aventure des trois femmes. Je compte sur vous pour laisser votre plus gros pouce, mes amis, on est parti, juste après l'intro. Donc les amis, j'espère que tout serait bien, moi ça va super bien. Pour cette vidéo, je suis accompagné de Marioling, Wizou et Zero, salut. Salut à toi, c'est tout le monde. Salut. Ça va? Ça va très bien, toi. Ça va super bien. Alors les amis, du coup dans cette vidéo, on va terminer, j'espère, aujourd'hui pour moi du coup le défi des bots, enfin moi et Zero, parce que du coup la femme de Kevin n'est pas là, donc ils vont pas pouvoir gagner ou non, vu que là, forcément nous qui allons gagner, enfin du coup être en deuxième position. La fin d'un défi veut dire aussi qu'il y en a un nouveau qui arrive. Alors nouveau défi qui va arriver. Merci pour vos commentaires, parce que du coup je vous ai demandé du coup quel défi vous préférez avoir. Donc soit on essaie de faire un défi du coup d'ensilage, donc de maïs, soit de maïs, soit de blé immature, ou alors défi aussi de lait. Et vous étiez très nombreux à dire Starvio fait le défi de lait. On fera le défi d'ensilage de blé immature plus tard. Pour l'instant on va se concentrer sur le défi de lait. Donc c'est 100 ml de lait à faire, 100 ml c'est quand même pas mal. Donc 100 ml avec les cuves à zéro, donc il faudra que tout le monde aille vider ses cuves avant le début du défi. Donc le défi commencera début de la semaine prochaine, les amis. Donc voilà, écoutez, on est parti, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas forcément à laisser le petit pouce bleu et on se retrouve à la fin pour débriefer de ce qu'on a fait. Bon les amis, du coup on est parti, je suis avec Zero. D'ailleurs Zero ouais. Du coup, qui est de retour parce qu'il était pas là du coup dans l'épisode d'avant. Alors mec, ouais, on est parti, nouvel épisode, j'espère que ça vous plaît. En tout cas les amis, moi je suis toujours en kiff sur cette série, j'adore faire ça. Il me tarde vraiment d'ailleurs la saison 2 qui va bientôt arriver. On est en train de préparer la saison 2 qui va très très prochainement arriver, donc voilà. Alors bon, les amis, du coup le défi de bot, on est exactement à 191 bots les amis. Donc ça on va le terminer en vitesse, dans tous les cas Kevin n'est pas là, donc dans tous les cas on va gagner. Donc j'ai fauché du coup avec cette petite faucheuse 51, donc on ira les presser plus tard. Je pense Zero pour l'instant ça sert à rien, on ira les presser plus tard. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est que je vais aller commencer. Du coup il y a un petit champ de colza à terminer, il y a un champ de colza juste là, le petit bout au champ numéro 32. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on va aller commencer à le moissonner en vitesse. C'est juste un petit bout à moissonner, donc ce sera assez rapide. Allez go. Par contre, ah bon les amis, alors le problème qu'il y a eu les amis, c'est que le serveur a eu un gros problème. Là on arrive vraiment à la limite des serveurs, vraiment, parce que c'est le serveur il bug et tout, il y a des bugs de synchro et tout, il y a beaucoup de bots aussi sur la partie, enfin il y a énormément de choses. Il y a plus de 315-330 heures sur la partie, donc c'est énorme, hein, les serveurs ils galèrent un petit peu. Mais bon, on va y arriver, il nous reste encore quelques petits épisodes. Il y en a qui m'ont dit, Starvio, la série a commencé le 22 novembre, il faudrait que tu la termines le 22 novembre. Mais moi je pense qu'on la terminera largement avant, parce que là on a fait le tour de tout, et en fait là ça devient très compliqué de tourner, parce que les serveurs bug, ils sont vraiment au maximum là, déjà on voit que ça bug un petit peu le serveur. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vendre des bots Zero, donc je pense que ça c'est une bonne idée. On avait 50 000 je sais pas combien de tonnes de soja, ouais. Coup, donc là, alors le défi de bot n'est pas terminé, mais comme Kevin n'est pas dans cet épisode, on va dire qu'on est deuxième pour le moment, c'est obligé, parce que du coup on aura terminé ce défi là. Il nous reste 9 bots à faire, donc 9 bots elles sont largement faites, hein, donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à aller vendre nos anciennes bots déjà pour soulager le serveur, parce que on approche des 1000 bots je crois, même plus, c'est des 1000 bots en comptant les bottes de paille qu'on a déjà. Donc bon voilà. Alors je vais délouer la crone, c'est la faucheuse. Je la délouer. Bah ouais, ça finit, ouais. Ça ne sert à rien. Hop, délouer, c'est parti. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va vendre du coup le champ numéro 18. Vous savez qu'on avait un champ qui était à côté de la ferme de Axel. Bon, Axel vont sûrement l'acheter, hein, parce que si on le vend, ils vont l'acheter. Et à la place, on va s'acheter celui-là d'ailleurs qui est en soja, donc on pourra le moissonner. On va vendre celui-là et on va s'acheter, les amis, une stabule, la plus grosse stabule, les amis. Parce que du coup, le défi, il y aura un défi, donc bien sûr. D'ailleurs, le défi, j'ai un défi de faire 100 000 litres de lait. Mais il n'y a pas on n'a pas de bonus ou de choses qu'on gagne ou qu'on perd. Donc bien sûr, en commentaire, je compte sur vous, vous allez l'habitude pour proposer des choses qui n'ont été jamais proposées. Ça serait plutôt pas mal. Alors en clos animaux, du coup c'est ça les amis, 225 000 €. Ah, ça vaut 225 000 €, hein. Ça vaut cher, hein. 225 000 €. Bon, on n'a pas beaucoup d'argent pour l'instant, mais oh, tu vends quelque chose là, tu vends quoi? Ouais, je vends le soja là, une grosse benne de soja. Ah ouais, bah d'ailleurs on a 40 000 de lait à vendre, donc bien sûr faut que tout le monde aille vider les, mais c'est quoi on va faire, je vais aller vendre un peu de lait d'ailleurs. Comme ça, alors on va vendre du lait, on va s'occuper de faire. Je vais faire une ration mélangée aussi que j'ai préparé. Là, il faut vraiment, les amis, ça va être épisode où c'est qu'on va reprendre un petit peu les animaux. Vraiment, faut qu'on s'en occupe au maximum. On va s'acheter. Alors, si on est bien sûr en étant deuxième du défi de bot, on gagne 100 animaux gratuits. Donc, on les a pas véritablement gagnés parce que on n'a pas encore terminé quoi le défi. Mais bon, il nous reste 9 bots, donc en gros, c'est fait parce que Kevin n'est pas là. Donc voilà, et bon, il y aura aussi un prochain défi plus tard. Il y a encore le temps, il y a encore. En fait, à chaque fois, je dis on approche de la fin de cette série, mais c'est jamais la fin. C'est jamais la fin. Donc, en fait, il faudrait retrouver en commentaire. Je compte sur vous pour voir si vous avez vraiment genre l'objectif final de la série. Moi là-bas, j'ai dit qu'il faut que tout le monde ait tous les champs de la map. Donc, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait pas ça? C'est à vous de me dire. Ah oui, alors bien sûr, on va vendre ce bâtiment là aussi. Bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le vendre. Il faut commander le bâtiment de C0 qu'on devait vendre il y a combien d'épisodes. Le petit bâtiment en bois, on va le vendre. Et ensuite. Mais du coup, ouais, on l'achète du coup la grosse stabule, Zero.
Bah déjà faut acheter les champs, tout ça déjà. Ouais, déjà le champ, déjà on va prendre le champ 18 qui nous sert à rien. Bon, il y a un petit peu de paille dessus, hein. Le champ a été moissonné il y a, je crois que ça fait 4 épisodes, même 5 épisodes qu'on, bah, qu'on s'en sert, on n'a pas touché au champ vu qu'au final on était en plein dans le défi de bot. D'ailleurs ça fait pas de mal de terminer le défi parce que ça fait quelques épisodes qu'on fait que ça. Et bah c'est juste que c'est bon, c'est bien sympa mais voilà quoi, c'est bon, on a vu le truc. Alors par contre je sais que je vais ranger mes trucs parce que là le bâtiment je vais le vendre mais du coup on met où le matos, c'est la question. Bah là, après si, ah non, ce qu'on va faire c'est que, alors je vous ai pas dit mais alors, attends, déjà bah, tu peux ranger des trucs si tu veux Zero, je sais je fais un peu tout n'importe quoi. Donc déjà les bottes on va les vendre, j'espère que, d'ailleurs Zero on peut vendre des bottes en ribané. Parce que c'est trop, on peut ouais, vendre on en vend mais la moitié. Ok, ouais ok. Donc alors ce champ là on va l'acheter, déjà on va le moissonner, on placera je pense donc soit à la fin de la vidéo soit au début du prochain épisode la grosse stabule énorme avec 300 animaux à l'intérieur. Dans tous les cas on va en acheter, bah du coup on en aura 100 gratuits, plus la stabule qui est déjà la femme qu'on va pouvoir remplir un peu plus, donc déjà ça nous fera pas mal de choses. Donc on mettra la stabule ici, on va mettre un petit bâtiment de stockage de paille, comme ça on n'a pas peine de faire les allers-retours avec la pailleuse et tout. Donc on mettra un petit bâtiment pour mettre de la paille, un peu d'enribanage et de maïs, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà. Ouais, ça donc. Peut être cool, ouais. Donc lui alors pour l'instant il nous sert à rien ce petit classe. Je vais le ramener. Donc le champ je le vends direct Zéro. Le champ 18 ouais tu le vends ouais si tu okay. peux. J'ai vendu le champ 18, il faut qu'on termine de moissonner le. Il y a un petit champ de. C'est du colza ou soja. Non du soja je crois. Avec la 2080 d'ailleurs. D'ailleurs la 2080 vous avez été très nombreux à la télécharger sur mon site bien sûr, ça fait très plaisir. Et j'ai vu d'ailleurs que la vidéo TP vous a très plu. J'ai fait une vidéo TP du coup jeudi. Et ça vous plaît, donc ça fait trop plaisir, merci à vous. Et voilà, ça fait vraiment plaisir de faire des vidéos qui plaisent aux gens et tout. Et parce que, après, ça peut plaire, toi, genre à des gens normaux. Enfin, ça peut plaire en plus, mais c'est vrai que le TP, ça vous plaît beaucoup. Donc voilà, c'est sympa. Alors, le plateau, je vais laisser ça là pour l'instant. Ça va être bordel un peu dans cette vidéo, comme d'habitude. Je vais aller vendre le lait. Alors, il faut vendre le lait, il faut faire les rations mélangées. On va s'acheter des animaux. Il va falloir qu'on prépare du coup pour les prochains semis qui vont arriver. Parce que du coup, il y a pratiquement tous nos champs sont des chums. Hein. Il n'y a plus rien qui est en culture. Donc il faudra qu'on passe un petit coup d'épandeur là, on va y prendre quelques petits bordels. Ah merde, attends. Du coup attends, on a 217 000 euros, donc si on vend le champ, on le vend 180 000 euros. Et le nouveau il vaut 200 000 je crois. Il vaut 10 euros de plus je crois. Donc 44 000 de lait, allez c'est parti, charge ça. Attends, est-ce que je peux GN, parfait, est-ce que je peux re-remplir en plus R, bon attends, rempli. On va voir tout ça, attends ça remplit l'avant ou l'arrière là. Je sais pas qu'est-ce que ça remplit, donc là ça remplit. Si je recule, c'est bon ou pas? R, non pas du tout. R, oui, allez, remplis-toi. On remplit la deuxième cuve. On va aller vendre ça. Alors, par contre, où c'est que le lait est cher. Avant, je me rappelle, mec, les cartons. C'était pas là, c'était avec Mika, je crois, non? J'ai regardé la vidéo, franchement, c'était énorme. On a gagné 91 000, je crois, euros avec les cartons. Enfin, c'est fou, c'est énorme. Alors, du coup, donc, mec, en plus, le lait, pour l'instant. Non, là ça vaut 3200. Et nous, c'était 4000 qu'on a vendu les œufs. C'était fou, hein. 4000 euros le litre, tout comme ça, bref. Alors attends, donc là le lait, 1200, 1700 à l'élévateur à grain est. Bah écoute, on est parti, on va aller là, 1700, ça vaut le coup, donc on est go. Par contre, c'est où? Est-ce que c'est à l'autre bout de la map? Bon, vous avez compris quoi. J'irai à sinon. Ah non, ça va, c'est pas trop loin. Ok, bon, allez, go, on est parti. Je vais aller vendre ça, les amis. Et je vais vous parler un petit peu de. Attends, je vais juste fermer les capots. Voilà. Donc je vais vendre ça, enfin qu'on s'occupe donc des champs. Bah du coup, Zéro, vends-le hein, si tu veux vendre le champ. Comme ça, on va avoir un petit peu niveau argent où c'est qu'on en est. Du coup, t'es reparti vendre une benne, Zéro? Non, tu pourras vendre le jour de plein lâche. Non, maintenant, je suis en train de filer les bottes. Au moins, comme ça, ça sera fait. Ok, alors, moi, je vais passer par là. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va passer par ici. Et d'ailleurs, du coup, donc, notre champ là que j'ai fauché, celui qu'on va passer devant là, le champ que j'ai fauché, il va falloir qu'on le décompacte. En plus, alors, en décompactant, du coup, ça logiquement, c'est mieux pour la terre. Parce que, bah, du coup, en décompactant, ça fait. Bah, vous savez, il faut labourer, donc c'est comme si on labourait. Je crois que c'est ça, c'est en décompact. Quand tu décompactes, c'est comme ça, ça fait une texture ouais, de labour. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est une texture de labour, mais c'est pas forcément pareil dans la vraie vie. Il faut qu'on fasse ça. Et du coup, on pourra commencer à tester notre gros semoir. Aïe, aïe, ça lag, ça lag. Notre gros semoir avec le gros JD, le 8400R que j'ai vu. D'ailleurs, en parlant de gros JD, les amis, du coup, je suis allé à Innovagri mercredi. Donc, c'était à côté de Toulouse, c'est à Onde. J'y suis allé mercredi. Merci à vous, merci à tous les abonnés que j'ai pu rencontrer. Ça fait trop plaisir. Je suis désolé, j'ai pas pu rencontrer. Ah, tu presses? Ah, je finis les bottes comme je l'ai dit. Ah, bah ok, bah parfait. De toute façon, on était à 191, donc ouais. Il en manque 9. T'en fais 10 ou 11 au cas où, comme ça c'est bon. Oui. Et le champ de colza qui va être terminé aussi, il faudra apporter une petite benne. Mais je vois qu'on a énormément de soja en stock. Il y a un truc, on a 30 ou 40 000 de culture. Donc on peut vendre deux grosses bennes, ça peut nous faire déjà pas mal d'argent. Mais là, ça va remonter. Là, l'argent va bien remonter. Je suis très content. Plus 100, bon, 100 animaux gratuits, ça va faire plaisir aussi. Mais on va aussi s'acheter 100 animaux. De notre côté, comme ça, on fera bien 2 ou 300 animaux en plus, donc on sera bien. Allez, les vends-toi. Moi, je dis, on peut monter à 250 000 euros. Je sais pas trop, mais on va voir. 250 000, ouais, oui, je pense que ça peut. Oui, on va y aller tranquille. Bon, je vais attendre que ça vide. La mélangeuse, on est bon.
Il y a celle-là qui moissonne. Je vais la remettre en route par contre. Attends, c'est celle-là. Donc là, c'est du blé, je crois. Je crois que c'est du blé, ouais. Non, attends, 14 000, il y a la deuxième cuve à vider, donc attends. Il y a de quoi. Attends, je vais mettre l'ouvrier là. J'espère qu'il va pas faire de merde. Bon, on est bon. Il y a cette benne du coup qui est en. Bah, en blé du coup. Il y a 17 000 de blé, pardon. 17 000 de blé et on en a combien en stock? Je crois qu'on en a. Oh merde, c'est où le lait? Attends, c'est où les stocks? Là, c'est là. Le stock de quoi? Attends, parce que j'étais pas sur mon truc. Alors, on a 17 000 de soja, je crois. Non, 17 000 de colza et 12 000. Ah, ok, bon, on a pas grand chose. Ah, je pensais qu'on avait plus de. Ah non, et 51 000 de blé, mec. 51 000 de blé. Attends, ce que j'ai fait, c'est. J'ai pas vendu parce que c'est peu là. L'argent n'est pas okay. Top. Ah bon, d'accord, bah, on ira le vendre plus tard alors. Ok, bon, alors, je vais aller vendre le 118, les amis. Attends, je vais quand même voir un petit peu ce qu'il y a dessus. Attends, faut penser, les amis, quand même, que les autres, ils ont là des vaches ici, ils ont des vaches là. Et s'ils remplissent leur enclos au maximum et qu'ils nourrissent à mort les animaux. Donc à mon avis, va falloir que vraiment on se grouille. Mercredi, je serai. Alors mercredi, il y a une nouvelle série. Mais samedi, je vais essayer de me débrouiller. Mais le samedi, il y aura le retour des lives. Enfin, je vais essayer de me débrouiller de refaire des lives le samedi. Sinon, je referai en live au pire un autre jour. Mais du coup, mercredi, soyez là, les amis. Donc, enfin, la semaine prochaine, il y a des nouvelles séries qui vont commencer. Donc lundi, nouvelle série sur la chaîne. Et du coup, mercredi, nouvelle série en live sur la chaîne. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc voilà. Alors, champ 18, on est parti. 180 000 euros. Mais attends, le champ, je le vends, les amis. Je vous jure que dans 15 minutes, il est acheté par Kevin. C'est obligé. Enfin, Kevin, la femme d'Axel plutôt. Du coup, c'est parti, zéro. J'achète donc le champ 31. Ah, j'achète, ouais. Combien? Ouais. Okay. Donc on a 5. Ah, vaut combien la stabulation? Elle vaut 200. Est-ce que tu peux faire, je pense? Parce que du coup, il faut moissonner. Bah oui, c'est pour ça, emmène la 2080. La 2080 est déjà en train de moissonner, mais au pire, je vais l'arrêter, on va aller moissonner le reste. Alors, c'est du blé qu'il y a, parce que si c'est du blé, on... Non, oh non, c'est pas du blé. Si c'est du blé, c'est du soja. Ah merde, c'est du soja. Mais il faut vider la trémie. Attends, je vais vider la trémie. Y a pas de barre de coupe pour... Y a pas de... Y a qu'un chariot pour deux machines, donc voilà. Par contre, alors, oui, je vais vendre le bâtiment, il faut qu'on vendre le lait, c'est fait, vendre les cultures, ok. Vendre bottes non rubanées. Ouais, on va essayer de vendre les bottes non rubanées, on va essayer de faire ça. Il faut qu'on en vende au moins un gros plateau sur le camion. Oh, y a une botte ici, bah, y a une botte à nous, je sais pas si elle est à nous ou pas, mais on va dire que oui. Ok, donc on va charger les bottes enrubanées sur le camion, on va essayer de remplir une bonne grosse remorque. Ce qu'on fera, c'est qu'on s'achètera, alors dans les commentaires, il y en a un qui m'a dit qu'il fallait pas que j'achète une grosse benne pour le camion, enfin je sais plus trop quoi, il m'a dit, alors je lis vos commentaires, mais juste que je sais plus ce qu'il m'a dit, attends, il m'a dit quoi? Alors c'est la crampe, il m'a dit que c'était une mauvaise idée, je crois, ou je sais plus trop quoi, 56 000 et 59 000. Ouais, je sais pas. Bon, on verra en tout cas. J'essaierai de voir au niveau. Et moi, je comptais m'acheter un transporter que j'avais mis sur mon site. D'ailleurs, c'est un transporter grave stylé. C'est le cas. C'est celui-là. Hein. Il est grave stylé. C'est un gros transporter. Bon, il vaut 95 000 euros. Mais il fait 46 000. Donc, 46 000. Si on a des gros champs, ça peut être sympa. Donc, on verra. Bref, alors, donc ça, je vais l'arrêter. Donc, celui-là, je l'arrête. Hein. On va. Comme ça, si on pouvait commencer à. En vrai, j'aimerais bien essayer de placer la stabilisation avant la fin de la vidéo. Ouais, ça serait sympa, ouais. Comme ça, on fera une bonne miniature. Ça va vous plaire. Vous allez faire oulala, je clique. Et voilà. Mais en tout cas, merde, c'est bon, ça vide. Ouais, c'est bon, ça vide. Et le colza, à mon avis, le colza, ça va être terminé, zéro, je pense. Bah oui, je suis en train de mettre la moisse bête à la ferme. Là, vu que j'ai pas de benne ni rien. Du coup, tu vides la moisse bête du colza. Tu la vides. Et ensuite, tu la remets au champ de colza derrière. Là, il y a un champ à nous derrière. Bah non, je la mets avec le soja, comme ça, ça ira plus vite. Ah mais c'est bon mec, j'ai une barre de coupe de 12 mètres par, au moins, donc bon voilà quoi. Bon alors du coup normalement il faut une escorte et tout, mais bon je l'amène comme ça. Je traverse, ça c'est pas trop grave, il y a personne de toute façon. Et du coup mec, imagine, mais on a 191 bottes. Mec hein, c'est fou, moi, quand je pense mec aux épisodes qu'on a fait, c'est énorme. On a bossé pendant 3-4 épisodes, on a fait que des bottes. Ah, et en plus on a fait un défi de bottes du coup de paille avant, c'était 150 plus 200 bottes. Et bon la paille on a vendu les 3 quarts de paille, mais quand même hein, ça commence à faire quoi. Donc voilà, ouais par contre il faudra que toi Zero ou moi, il faudra qu'on essaie de faire, enfin faut qu'on fasse des mélangeuses, hein. Il va falloir vraiment qu'on nourrisse les animaux au maximum. Bah ouais pour le lait ouais ce serait donc, vraiment... Donc je pense j'essaierai de faire un petit live sur cette série pour bien avancer, pour qu'on nourrisse correctement les animaux, qu'on soit prêt, qu'on soit prêt vraiment pour le début du défi. Parce que début du prochain épisode les amis, on va, ça va couper. On va commencer directement, donc les autres, si nous on n'est pas prêts, les autres seront prêts, donc il faut vraiment qu'on gagne. Alors bien sûr, vous trouverez les défis dans les commentaires, mais bon voilà. Alors par contre, je vais regarder un truc, je ne sais plus, mais je vais regarder quelque chose. Oui, je vais regarder déjà l'enclos, il est où? Et tu dis que l'enclos, c'est donc ce gros enclos qui est ici. Donc alors, moi j'ai pris, on pourrait très bien s'acheter l'enclos normal, hein, mais juste que je voulais des graves stylés. Donc, ah oui, c'est vrai, on n'a pas assez d'argent, c'est vrai. Et est-ce qu'il nous reste du lait en stock par contre?
Est-ce qu'il nous reste du lait en stock? 18 000. Ah oui, il nous reste 18 000 de lait en stock. Donc il faudra qu'on aille. Mec, ils ont rien. Ils ont rien du tout. Je vais remettre. Bah attends, je vais remettre un coup de pailleuse. Je vais apporter une benne. Et il faut s'en occuper. Bah, c'est au pire celle-là, ça suffira. Le colza, tu l'as vidé ou pas, Zéro? Eh attends, ouais. Mec, t'as vu, il y a une stabulation à 1€. Ouais, mais bon, mec, ça va. Ça va, ça va. Il faut qu'on vende le petit. Mec, ce bâtiment, faut absolument. Et même l'enclos. Mais attends, mais il faut qu'on vende l'enclos à cheval. Chevaux, cheval, oui, chevaux. Bah, et, ouais, les enclos, ouais, surtout. Parce qu'il ne sert à rien, là, les chevaux, à mon avis, on n'en aura pas d'autres. À la rigueur, il se peut qu'on termine la série avec des cochons, à la rigueur, mais. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de tout faire dans la saison 1, parce que dans la saison 2, ça va être que de la répétition. Donc, j'ai pas envie. Bon, on va explorer vraiment la saison 2, on va essayer de trouver des bonnes règles. Déjà, je peux vous dire la map, ça sera, je crois, Hellerback, la map. Donc, c'est map du mode contest. T'as vidé, Zéro? Ouais, j'ai vidé. Ah, t'as vidé directement dans. D'accord, bon, mec, c'est pas fait chier. Oh, bah, oui, j'ai pas de Bah, du coup, bah, le massif aussi qui dégage. Hein. Mec, faut qu'on dégage plein de trucs, c'est fou. Hein. Bah, le massif, vous me direz en commentaire, les amis, je compte sur vous. Bon, déjà, on va le dégager parce qu'il comment, il a 40. Je crois que c'est le traiteur qui a celui qu'on a depuis le début. Bah, oui, c'est celui qu'on a depuis le début, celui-là, depuis le début de la série, mec. Ça fait un an presque. Lequel, le massif? Le massif, il a 40 heures. Ah, ouais, lui, il a 9 et des heures, lui. Bah, pas tellement en vrai, parce qu'il a vu. Enfin, ça fait quand même. Au début. Mais après, on a vite remplacé par autre chose, donc. Mais je sais pas par quoi on pourrait l'acheter. Moi j'aimerais bien un tracteur qui soit puissant, mais qui soit valet de fer, mais qui peut quand même tirer des bennes ou faire autre chose. Donc moi je partirais pour un feint. Hein. J'avoue qu'un feint, genre pas encore, un 700. En fait. Bah pff, ouais, attends, le feint 700. On a déjà un feint. Donc peut-être pas un feint alors, je sais pas. On va voir. Au pire, s'il y a des modes sympas qui sortent, vous me le dites et j'essaierai d'en mettre. Bon, pas un four non plus quoi. Ni un jeté. Ah si, il y avait un jeté qui était sorti en mode. Bon, vous me direz en commentaire de toute façon, les amis. Donc voilà. Bon, lui, du coup, on laisse là. Je vais commencer à charger mes petites bottes, comme ça on va essayer de voir combien ça vaut. J'espère, alors bah, déjà j'espère qu'on peut vendre des bottes en ribonnet. Je sais même pas si on peut, hein. J'espère que oui, parce que si on peut pas, on va pouvoir donner à manger au vache, moi je te le dis. Hein. Donc, bah, au pire, les bottes en ribonnet, ce qu'on fera, c'est. Je pense que oui. Si jamais on peut pas, on va louer la plus grosse mélangeuse et on va foutre toutes les bottes en ribonnet dedans, comme ça fera de l'enribonnet, tu sais, comme dans une benne en fait. Et après, on pourra mettre ça dans un stylo. Donc, ça fera, parce que là, ça prend énormément de place et ça, du coup, ça fera déjà beaucoup moins bugger la partie. Alors bon, déjà on va essayer de faire ça. Mais alors du coup, alors, pour vous expliquer, il y a eu des gros bugs de synchro. Enfin, en fait, alors, pour vous dire, là on est samedi après-midi et on est en train de tourner. D'habitude on devait tourner jeudi soir, mais il y a eu un gros problème. Enfin, on pouvait pas rejoindre la partie. Moi je pouvais, mais du coup Kevin pouvait pas. Voilà, Kevin du coup était là pour tourner, mais c'était le seul qui a pas réussi à rejoindre. Mais les autres ont réussi à rejoindre. Enfin, vraiment c'était un bordel pas possible. Donc voilà. Après, il faut savoir qu'il y a énormément de modes, donc c'est pour ça aussi que ça bug un peu. Bon les amis, on arrive, on va essayer d'aller vendre entre mon petit chargement de bottes. Zero m'a suivi avec 3 bottes sur une fourche, parce que bon, on pouvait la charger, enfin on voyait la fourche de l'autre, on pouvait mettre 12 bottes dessus, mais bon, tranquille, on fera plusieurs voyages au pire. Déjà, je vais voir si on peut vendre des bottes, j'espère qu'on peut vendre des bottes en ribanais, parce que sinon, si on peut vendre que les bottes de paille, ça va pas le faire. Donc alors, donc la stabule vaut 220 000 euros, on a 190 000 euros, donc il nous manque pas beaucoup. Et parfait, parfait, parfait. Oh, ça, oh, what, ça, mec, ça rapporte bien. Attends, tuk. Hop. Et attends, il faudra que tu pousses parce que j'en ai foutu derrière. En vrai, ouais, ça va, mec. Hein. Ben, mec, on va être bon. Parce que là, on a vendu qu'un plateau. Hein. Je sais pas comment il y avait des bottes dessus, mais. Vas-y, quand t'arrives, tu les pousses les bottes. Comme ça, ça. Attends, je suis devant. Donc, en vrai, on va être bien. On va être pas mal du tout. Là, je suis content. En vrai, bon, on a pas non plus 1 million d'euros, mais on a quand même 200 000. Et vas-y, prends ça. Bon, d'accord, ok. Oui, bon, c'est pas grave. Vas-y, repars. Je repars. Ah, il avance un peu plus vite. Hein. Et vas-y, go. Vends. Enfin, du coup, tu fais YY deux fois. Ouais. Et bah, je sais pas comment on peut avoir, mais on peut monter à 210, 215. Vas-y. Vas-y, fais Y. Deux fois Y. Hein. Bah, 200. Ok, 4 millions. Okay. Bah, normal, j'en ai ouais, bon, ok, ça va. Ça. Et du coup, c'est combien? C'est 220 000. On a vendu un quart à peu près, parce qu'il faut en garder la moitié, oublie pas. Même pas vendu un quart. Donc, les amis, ce qu'on va faire, c'est que j'ai ramené le camion. Je vais laisser les gyros allumés. Bon, le camion est pas hyper puissant, mais ça nous sert quand même à faire du bon transport. On peut transporter des bottes et tout, donc ça c'est pas mal. Je vais juste compléter la benne de blé, les amis. Il y a l'autre moissonneuse qui est pleine là-bas, donc je vais compléter la benne de blé. Je vais juste vendre, voilà, je crois que 25 tonnes, je vais les vendre ça. Je complète ça. Dans le silo, il y en a 51 000. Il faudra qu'on aille vendre ça quand le prix sera élevé, parce que bon, là, le prix est pas élevé, mais ça nous fera. Enfin, ça va quand même nous compléter la benne pour nous faire. Enfin, ça va quand même nous compléter, je pense, pour arriver aux 220 000 euros. Dans tous les cas, il nous reste 17 000 de lait. Et dans tous les cas, si jamais ça va pas, on va vendre le bâtiment en bois tout acheté là. Plus. Ah, ça lag avant, j'ai vraiment des coups de lag. Le bâtiment en bois, plus l'enclos qu'on va vendre, l'enclos à chevaux qui nous sert plus à rien. Donc voilà, on verra ça. Donc en vrai, on va commencer à être bien niveau argent. Enfin, niveau argent. En tout cas, on va pouvoir commencer à s'acheter du coup l'enclos et tout le bordel. Donc voilà. Allez, go. Vends-moi tout ça. On va vendre du coup 28 000 de blé. Regardez, en vrai, quand ça vide, c'est un petit peu se décaler le truc, c'est un petit bug. 216, ouais, c'est bon, on va y arriver. C'est bon, on est bon. On est bon,
Vas-y go. Bah du coup Zero, tu peux avoir une benne au champ 31 je pense, c'est pas de bien. Bah là je suis en train de presser, je finis les bottes là parce que sinon Ouais en plus du coup finis les bottes ça sera fait. Donc là bah c'est parti hein. Je pense qu'on va pouvoir s'acheter la stabule. Enfin du moins je vais essayer de regarder comment on peut la placer. Attends, déjà est-ce qu'on a assez d'argent? Logiquement on a assez. Par contre il n'y a pas de rester beaucoup mec hein, vraiment. Et par contre mec t'as pas intérêt de te chier pour la mettre hein, parce que là mon petit gars c'est. Ah oui attends on va regarder si qu'on la met déjà. Est-ce qu'on peut la mettre déjà? Bah déjà on peut pas. Mec attends mais elle est énorme. Elle est vraiment énorme la stabule mec hein. Il y a trop d'enclos ouais. Pour animaux. Commencez par en vendre un. Ah très bien. Vends les chevaux. Ouais je vais vendre l'enclos des chevaux. Je vais vendre l'enclos des chevaux. Bah mec je le fais. Et en vrai mec attends je savais pas qu'on pouvait pas mettre trop d'enclos sur la partie. Mais c'est bizarre en vrai. Ouais bah attends je vais vendre l'enclos des chevaux. Il est où l'enclos des chevaux? Ah et là poulailler enclos pour chevaux. Allez go vende moi ça 4000 balles. J'espère que ça va marcher quand même parce que ça marche pas. Bon les amis ça y est le bâtiment est enfin placé. Alors bon pour l'instant le bâtiment est super beau. Juste qu'il faut qu'on modifie un petit peu le terrain. Parce qu'il y a quelques petites bosses et tout. Là j'ai fait une petite route pour aller jusqu'à là bas. Mais on modifiera dans tous les cas pour que ce soit vraiment super beau. Niveau argent on a plus beaucoup d'argent. Là l'argent c'est faux parce que du coup vu que j'ai modifié un peu le terrain ça a remodifié encore l'argent. Donc bref en tout cas c'est super beau. Si vous voulez la stabule elle est sur mon site hein, bon, si vous voulez la stabule elle est sur mon site. Elle est super belle mais en plus de ça. Alors regardez c'est trop beau vraiment elle est super belle. On essaiera d'arranger ça mais des petits arbres, des petits buissons et une petite route par exemple qui peut arriver jusqu'à là, la route qui permet d'arriver jusqu'ici. Et du coup on a un bâtiment en plus ici, donc là en plus je crois qu'on peut ouvrir les... Il y a pas des lumières, il semble qu'il y a des lumières mais je pense qu'on les allume. Dès que les lumières se mettent de nuit directement. Ouais peut-être aussi, donc voilà. Mais écoutez voilà les amis, du coup on va s'arrêter là. Il me tarde de voir ça, enfin de montrer du coup le bâtiment là aux autres fermes en tout cas. Et pour info ça veut le défi de bot est fini pour nous, du coup on finit deuxième. Ouais bah du coup bah, on est deuxième. Et faut qu'on rachète du coup, donc on a 100 animaux gratuits, donc du coup on se mettra 100 animaux dans la petite dans le petit bâtiment en fond d'arrière. Ça commence à faire stylé et il faudra quoi du coup qu'on le paille et qu'on prépare tout ça pour du coup le prochain épisode. Bon du coup les amis c'est parti, on va aller voir la ferme de Axel. Bon les amis du coup on se retrouve du coup dans la ferme à vache de Damien. Du coup qu'est-ce que vous avez fait dans la vidéo? Bah alors dans cette vidéo on a juste nourri les vaches. Ouais. Donc on a donné à boire, on a donné des rations mélangées. Ouais préparé les vaches du coup. Ouais, ah oui d'accord, du coup petit Manitou, bah Manitou, d'accord, de marque Manitou, ok, ouais. Et ensuite c'est tout? Ensuite on a, bah oui. Vous avez pas vendu de bottes? Je crois que j'ai vu Wita avec un peu de bottes. On est en train de vendre des bottes. Ok, en tout cas on a vendu un gros paquet de bottes et c'est que ça rapporte pas mal quand même, moi je trouve que ça rapporte bien. Donc du coup voilà, ok parfait, et bien c'est tout, vous avez fait que ça dans la vidéo? Ouais. Ok, bah du coup on va aller voir ma ferme. On se retrouve dans ma ferme. Alors voilà, on a acheté donc un gros bâtiment. On a acheté deux. Enfin, au final, on l'a acheté 300 000 euros parce qu'il y a eu la déformation du terrain. Mais du coup, on remodifie l'argent. Du coup, au final, ça fait 220 000 euros. Donc le terrain, on le remodifiera parce que là, c'est dégueulasse. Hein, donc là, c'est vraiment dégueulasse. Donc on mettra des petits arbres, mettre le terrain bien droit et tout. Donc on a acheté donc ce bâtiment-là. Donc du coup, ça nous fait au final, ça nous fait quand même perdre un champ vu que du coup, ça prend énormément de place. Donc voilà. Donc les animaux. Donc on s'est acheté ce bâtiment-là. On a vendu le champ numéro 18 et à la place, on s'est acheté le champ 31. À la base, on voulait mettre la stabule là-bas et en fait, la stabule, elle prend énormément de place. Bah, du coup, on l'a mis là, donc ouais. Final, c'est pas plat en plus. Ouais, c'est pas plat. Donc, même là, c'est pas plat. Donc, ouais, on a aucune parcelle avec vraiment un terrain hyper plat. Donc, et ensuite, on a vendu un plateau complet de. Tu sais, avec le Kamaz, enfin le camion qu'on a. Je sais pas si c'est un Kamaz en plus qu'on a. Ouais, ouais. On a vendu un plateau de bottes enrubanées. Je crois qu'on en a eu pour, je sais pas, 15-20 000 euros. Donc voilà. Et ouais, plus un petit peu de graines. Ouais, voilà. Donc, nickel. Voyez, Valou, ce qu'on a fait dans la vidéo. Bon mes amis du coup voilà on va s'arrêter, j'espère que ça vous aura plu. C'est passé énormément de choses dans cet épisode. On a acheté, bon on a plus beaucoup d'argent effectivement. Il nous reste plus que 4000 euros mais bon en vrai l'argent qui nous reste c'est pas vrai parce qu'au final avec la déformation du terrain ça nous a prélevé beaucoup plus d'argent. Donc voilà, écoutez les amis du coup merci d'avoir suivi ces vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça nous fera très plaisir, j'essaierai de streamer du coup cette semaine pour essayer d'avancer un petit peu sur la partie. Et voilà c'était Starvé et toute la team, à la prochaine. Allez ciao tout le monde. Ciao tout le monde.